Une grosse journée débute dans le bas de la station de Serre-Chevalier. Les uns partent, les autres arrivent. Un chassé-croisé habituel, en pleine période de vacances scolaires. Mais aujourd'hui, la neige tombée pendant toute la nuit complique tout. Ici, la tâche principale de la police municipale, c'est le stationnement. Mais vu la quantité de neige sur la route, la journée s'annonce très intense. Voilà, ça commence. Il y en a en ski sur la route. Bon, on va leur dire que c'est interdit. Suzanne et Pascal, dans la station depuis 6 ans, sont sur le pont ce matin avec comme première préoccupation la sécurité des vacanciers. Monsieur, bonjour. C'est interdit. Pas en ski sur la route. Même s'il y a de la neige, oui, c'est dangereux. Non, non, faites attention. On ne sait jamais. Vous savez, il peut y avoir des véhicules qui glissent, il peut y avoir le déneigement. Enlevez les skis, portez-les, c'est mieux. Merci. Quand il y a des très grosses tombées de neige comme ça, les vacanciers, surtout c'est un samedi, un jour d'arrivée départ, n'ont pas l'habitude de conduire sur la neige, ils sont vite paniqués. Donc il suffit qu'il y ait un véhicule qui se mette en travers ou qui glisse ou qui s'enlise et toute la circulation est bloquée. Les routes de la station paralysées. La hantise pour Suzanne et Pascal. Un seul axe traverse la station et il ne faut surtout pas qu'il soit bloqué. Pascal et Suzanne surveillent le moindre risque d'incident. Bonjour. Oui. Le Lautaret est fermé. Ah oui, fermé. Oui, oui, mon Genève ouvert, par tunnel du Fréjus ou alors Gap, comme Bayard. Ça roule bien Ben, ça roule. Sans attendre, Pascal intervient. Le moindre grain de sable pourrait bloquer le trafic. Attends, je fais circuler ou pas? Le Lautaret est fermé, hein? Oui. Attention à vous, monsieur. Allez-y. Pour de nombreux touristes, conduire dans de telles conditions est une nouveauté. Voilà. Allez-y. L'enjeu aujourd'hui, c'est d'aider les gens à qui se garent facilement, à qui trouvent leur hébergement le plus rapidement possible. Parce que les gens, ils ont été sur la route, ouais, avec énormément de circulation, fatigués, certainement achaînés. Ils ne savent pas bien mettre les chaînes, il y a de l'énervement. Et après, c'est la panique, quoi. Donc, on les aide au maximum. Les jours de neige, on ne fait que ça. On assiste, on conseille, on aide, on fait circuler et on renseigne surtout. Après la nationale, direction les hauteurs de la station. L'équipage a été appelé pour un véhicule gênant. L'état de neige. Les voitures, on ne les voit presque plus. Ah, les conditions aujourd'hui, elles sont difficiles. Vraiment difficiles. C'est rare qu'on ait des conditions comme ça. Même en 4x4, la voiture, elle nous, part. Nous, ça fait 6 ans qu'on est là. C'est la première fois qu'on voit des tombées pareilles. Pascal et Suzanne sont enfin sur place. Mais encore faut-il trouver la fameuse voiture. Bonjour. Vous n'avez pas eu un véhicule qui est resté coincé sur la chaussée, là? On nous a appelé pour un véhicule qui gênait. La blanche. Ah. D'accord. D'accord. Ok, on va aller voir. D'accord, c'est très ça. Bien, merci. Merci. Ok. Une voiture blanche, ça tombe mal. C'est la couleur dominante ce matin. C'est cette blanche-là. Celle qui est gauche, là? Oui. Ouf. Eh ouais, elle est pas sur le parking. Aïe aïe aïe. Elle gêne complètement la sortie. Ouais, donc ce qui veut dire que les gens vont pouvoir et peuvent quand même manœuvrer, repartir. Ouais. En faisant marche arrière sur cet axe-là. L'enquête de voisinage a été payante. Cette masse de neige abrite le véhicule d'un vacancier qui s'est inventé une place de parking. J'essaie de voir la plaque d'immatriculation pour essayer d'identifier le véhicule. Mais éventuellement, je pense que c'est les Bouches-du-Rhône. Ah ouais. Et je pense qu'on va avoir une adresse, mais on va avoir une adresse dans les Bouches-du-Rhône. Donc ça ne nous donnera pas l'adresse où il est en vacances exactement. Coup de chance pour ce conducteur, grosse vague de départ et d'arrivée oblige, pas de sanctions aujourd'hui. Ces avertissements qu'on met avant verbalisation, c'est pour prévenir les gens que leur véhicule est soit sur la voie de circulation, soit devant un garage, soit zone bleue. Donc c'est de la prévention qu'on fait. Donc ça évite la verbalisation et la mise en fourrière immédiate. Les sports d'hiver en France, c'est la destination de 7 millions de pratiquants de sports de glisse. Avec 6 massifs et 250 domaines skiables, la concurrence fait rage. Les stations mettent aujourd'hui beaucoup de moyens pour fidéliser leurs touristes. Les professionnels de l'hôtellerie ou du divertissement l'ont bien compris, leur business ne tient plus en nouveauté, luxe ou originalité. Face aux poids lourds savoyards,
une station de ski implantée dans les Alpes du Sud tire son épingle du jeu. Serre Chevalier cultive depuis près de 80 ans son esprit montagnard et authentique. 500 000 clients par an évoluent sur un domaine skiable de 400 hectares. Une aubaine pour l'emploi. Chaque année, des milliers de saisonniers débarquent à Serre Chevalier. Le plus beau métro du monde. Mais pour rester dans la course, Serre Chevalier la familiale ne peut plus se passer d'une certaine clientèle. Elle fait désormais de l'œil à ses chics voisines Megève et Méribel. De jeunes entrepreneurs ciblent aujourd'hui les touristes qui skient sans compter. On est sur une clientèle qui souhaite avoir les mêmes prestations qu'à l'hôtel, mais dans un chalet privé. D'autres hôteliers ont choisi l'originalité. On n'a pas de Wi-Fi, pas de Bluetooth, on n'a rien et personne pour nous faire chier. Autre clientèle qui fait défaut à Serre Chevalier, les jeunes adultes. Alors certains patrons de bar ont décidé le temps d'un hiver d'importer toutes les recettes des grosses soirées sur les pistes. Avec une nouvelle préoccupation, jusqu'alors inconnue dans cette station familiale, la sécurité. Les mecs, ils ont fait la fête, ils boivent trop, ils n'ont pas de limite. La sécurité, c'est aussi le quotidien à Serre Chevalier d'une soixantaine de pisteurs. Entre prévention et secours, il faut composer avec des touristes toujours plus pressés de dévaler tout chousse les 80 pistes du domaine. On arrive à des vitesses aujourd'hui qui sont quand même assez élevées, on ne s'en rend pas compte, hein, mais on est très rapidement à 70-80 km/h. De nuit comme de jour, sur les pistes ou en station, voyage en coulisses avec ceux qui se mobilisent pour la réussite des vacances à la neige. Immersion dans Sercheux, l'authentique. Le jour se lève à Serre Chevalier. Les pistes sont encore fermées, il est 7 heures. La majorité des skieurs n'est même pas levée. Pourtant, ça s'agite déjà au pied des télécabines. Les remontées mécaniques vont spécialement ouvrir quelques minutes, rien que pour cette poignée de saisonniers. Comme chaque matin en saison, ils n'auront que cette toute petite fenêtre pour acheminer des centaines de kilos de marchandises en haut des pistes, dans les hôtels et restaurants d'altitude. Là, on a un quart d'heure, 20 minutes max. Il faut se speeder parce qu'on a une heure précise, c'est 8h, 8h15 maximum, les remontées démarrent, les cabines démarrent, et ensuite ça s'arrête et ça redémarre à 9h pour les touristes. On a 300 kg à monter de marchandises, voilà, de fruits, légumes, viande. 500 mètres plus haut, le calme règne encore dans ce chalet hôtel-restaurant. Pour l'atteindre, pas de route. Pour les clients comme pour les employés, c'est la télécabine. Anne-Marie, la patronne, sait que ce calme ne va pas durer très longtemps. Alors elle savoure ces quelques minutes avec Bernadette, l'une des femmes de chambre. C'est les seules minutes, je dirais, de pas privilégiées, mais de tranquillité le matin, où je fais un point avec Bernadette pour différentes choses de l'organisation, notamment des chambres. Là, après, dans deux minutes, je vais me lever et la journée va vraiment commencer. Alors, c'est une journée marathon, si on veut. C'est surtout une journée bien remplie. Dans un quart d'heure, à peu près, il va y avoir la mise en avant des marchandises qui vont arriver aux télécabines, à la sortie du télécabine. Donc, il faut que tout soit prêt pour qu'on puisse décharger rapidement. On a un timing à respecter avant l'arrivée de la clientèle sur le domaine skiable. Au pied des télécabines, on s'impatiente. Chaque minute perdue ici sera à rattraper plus haut en cuisine. Les employés d'une dizaine d'établissements doivent répartir leurs marchandises dans les quelques cabines qui seront en rotation pendant un quart d'heure. C'est bon ? Allez, go ! Avec un poids à ne pas dépasser. Du coup, pour les chefs de cuisine, il faut tout calculer au kilo près. Quand on passe nos commandes, il faut réfléchir presque une semaine à l'avance pour ne pas en avoir de trop à monter en même temps, quoi. Je ne peux pas charger. Et si je loupe une commande, on ne doit pas louper. Je ne peux pas aller au supermarché du coin récupérer 2 kilos de beurre. Quoi. Si je n'ai pas de beurre, je n'ai pas de beurre. Allez, pousse ! Allez, on met le petit avant. Les petits, celui-là. Vas-y. Le plus gros métro du monde. Pour les marchandises, comme pour les saisonniers, le trajet est gratuit. Après 10 minutes d'ascension, il faudra tout ressortir des cabines.
Nouvelle manutention de toute la marchandise pour le chef, les commis et les serveuses. Pour rallier l'hôtel-restaurant, les derniers mètres se font en quad des neiges. Et là encore, tout va se faire au pas de course. Alors on a une demi-heure, j'ai une demi-heure pour tout ranger et lancer la cuisine. Si en cuisine il n'y a pas une minute à perdre, pour Anne-Marie, c'est aussi la course pour remettre la terrasse en ordre. Soleil, neige et la journée ne sera pas du tout la même. Je te laisse tout rentrer la terrasse. Vince va arriver à 9h pour pouvoir passer la fraise. Anne-Marie parie sur une éclaircie en fin de matinée. Du coup, plusieurs centaines de clients pourraient débarquer pour le déjeuner. Alors, il faut tout déblayer. Axel, je te laisse continuer. Ça marche. Chaque matin, c'est le même rituel, après la terrasse, la salle intérieure. Dehors ou dedans, il faut réussir à caser le maximum de monde, le tout en jonglant avec les nombreux coups de fil. Le chalet hôtel de Serratier, bonjour. 9 personnes, oui, à quelle heure? À quelle heure? C'est noté, merci, merci, à demain. C'est toutes les deux minutes et quelquefois il y a 4 ou 5 appels en même temps. Ce midi, je pense qu'on va avoir à peu près 300 couverts à organiser en intérieur et en extérieur. Les pistes ne sont toujours pas ouvertes. Pendant que les saisonniers s'activent pour que tout soit en place à l'arrivée des touristes, encore un peu plus haut dans la montagne, une autre mise en place est sur le point de débuter. Sur la plupart des domaines skiables, la principale menace, ce sont les avalanches. Les coulées de neige emportent chaque année en France entre 40 et 50 personnes. La moitié ne s'en sortira pas. À Serre-Chevalier comme ailleurs, il faut sans cesse anticiper le moindre risque. Au pied de ce poste de secours à 2000 mètres d'altitude, Georges, pisteur et chef de secteur. Après avoir vérifié tout le matériel, détour impératif par les prévisions météo de la journée. Donc on est en risque 3, 3 sur 5. Voilà, on a de rares plaques, de petites purges humides au soleil. La neige, elle s'est humidifiée ces derniers temps. La prise de météo, c'est important. Dans le cadre de nos décisions d'ouverture de pistes ou de fermeture, parce qu'on peut être amené à fermer des pistes en altitude si on a une situation neigeuse qui est défavorable. Le risque d'avalanche est aujourd'hui de 3 sur 5. Selon cette échelle, c'est un risque marqué. En clair, des avalanches de taille moyenne sont possibles, surtout en hors-piste. Alors que les pistes sont toujours fermées, premier brief de la journée pour l'équipe de Georges. Dernière consigne, avec en toile de fond, une saison qui démarre tambour battant. Ça va, Zed ? Bon. Des infos. Hier, il y avait 22 000 personnes sur le domaine, donc c'est assez important. On a vu que ça changeait de mode. On était un peu plus tranquille jusqu'à présent. Avec beaucoup de monde sur les pistes, ce sont les risques d'accidents qui sont de fait multipliés. Les pisteurs ne font pas que du secours. La prévention est une part importante de leur mission. C'est le cas chaque matin, avant toute ouverture de piste. Cédric et ses collègues passent tout en revue. Ça va, Greg ? Ouais, ça va. Ouais. C'est bon pour vous ? Nous, c'est bon, vous voulez monter ? Allez, on est parti. Là, en fait, on a deux pistes à ouvrir un tout petit peu plus haut. Donc, une ouverture de piste, ça consiste en fait à la parcourir le matin, donc voir les dangers qui ont pu se produire dans la nuit et repositionner en fait toute la signalétique, donc le balisage, les chevrons, voilà, tout ce qui fait en sorte que la piste elle est en sécurité. Tant que nous, on n'est pas passé, de toute façon, ils n'en voient pas la clientèle. Plusieurs centaines de kilomètres de pistes sont ainsi inspectés tous les jours par une soixantaine de pisteurs. Et aucun obstacle n'est à prendre à la légère. Quand on parcourt une piste pour l'ouverture, on peut avoir aussi des matelas à remettre, des matelas de protection. Ah ben, si tu ne le protèges pas, une chute. Et on a déjà eu des cas où les personnes s'encastrent dans le poteau. Mais pour l'instant, pas d'accident. Et pour cause, les clients sont encore au pied des pistes, à guetter l'ouverture des remontées mécaniques. On ne se rend pas compte, mais on en pose sur un domaine. Plus
prévu que quelques minutes avant l'arrivée sur le domaine des skieurs et surfeurs. Dans le chalet d'Anne-Marie, juché à 1900 mètres d'altitude, comme prévu, le soleil est de la partie. Ici, la patronne est aux petits soins pour ses clients. Ça va aller, ça ? Attends, est-ce que tu préfères ça ou des petites moufles ? Ça va aller ? La concurrence est rude dans la vallée. Et quitte à être isolé, autant se démarquer pour convaincre les clients de monter jusque dans son hôtel. Pour séduire les amoureux de la montagne, Anne-Marie a créé cette année une chambre supplémentaire très particulière. Pour 240 euros la nuit, les clients peuvent dormir sur la terrasse. Sur Serre Chevalier, on a un ciel en principe qui est très étoilé. Donc c'est pour ça qu'on a mis ce concept en place avec toute une partie ouverte sur le domaine skiable, enfin sur la montagne. C'est pour qu'on puisse voir les étoiles. À la belle étoile, d'accord, mais pas question pour autant de proposer du camping à ses clients. C'est une tente avec un confort 3 étoiles, on va dire, avec douche, WC, lavabo, chauffage. Cette chambre bulle va bientôt accueillir de nouveaux clients. Il faudra 10 minutes d'ascension par les télécabines à Karine et Yann pour découvrir l'hôtel. Bien décidé à tester la nuit à la belle étoile proposée par le chalet. Bonjour. Je vais vous installer, ça va se passer en extérieur. Allez, super, on vous suit. Allez. Chaudement vêtu, c'est un peu l'inconnu pour le couple. Il n'a vu que quelques photos sur le site internet de l'établissement. Notre hébergement insolite, c'est pas tout à fait un igloo. Tente, igloo, bulle, difficile de classer cette chambre dans une catégorie. Ce qui compte, c'est la surprise. Voilà. Ouais. Votre hébergement. Donc je vais vous laisser vous installer. Vous avez la douche là sur le côté, le lavabo, vous avez le linge de toilette qui est dans les tiroirs et vous avez les toilettes là sur le côté. Ah ben voilà, c'est ce que j'aime. Voilà. Oh, super. D'accord. Et ben tout est parfait. Voilà. Première inquiétude pour les clients, la température sous la tente. Ce sont des granules. D'accord. Donc il faudra le recharger et le recharger le plus tard possible également dans la nuit pour que ça puisse tenir jusqu'à demain matin. Jusqu'à demain matin. Yann kique sur un autre détail. Les volets, ça reste comme ça. Il n'y a pas de volets. C'est exprès pour voir les étoiles. Voilà. Donc, on n'a pas de volets. Donc, il n'y a personne. Il n'y a pas de voyeur, pas de vis-à-vis. Alors ça, voilà. Il est en train de me chercher. C'est mon chien. Voilà. Petit déjeuner entre 8h et 9h. C'est tout bon. Et si vous avez besoin de quoi que ce soit, je suis dans l'hôtel. Allez. À tout à l'heure, merci. Ni frileux, ni pudique, Karine et Yann devraient pouvoir profiter pleinement de l'expérience. Alors du coup, t'es content mon âge ? Oui, je pense qu'on est bien isolés là. On va avoir pas de wifi, pas de bluetooth, on n'a rien et personne pour nous faire chier. On peut plus redescendre jusqu'à demain matin, que du bonheur. Comme dans toutes les régions touristiques, le business de la restauration est un gros marché. Avec une contrainte de taille pour les restaurants d'altitude, on ne travaille que le midi lorsque les pistes sont ouvertes. Ils sont une quinzaine à se disputer le marché sur le domaine skiable de Serre Chevalier. Et pour faire tourner ces énormes machines, une armée de saisonniers. Comme ici, à 1000 mètres d'altitude, ce self envoie au moindre rayon de soleil des centaines de plateaux chargés de frites, tartiflettes et autres pizzas. La jeune femme qui s'agite derrière sa caisse, c'est Mathilda, 22 ans, dans la station depuis le début de la saison. Ok, just 2 minutes is coming. Your change, thank you. Son boulot quotidien à l'heure du déjeuner, préparer les commandes des skieurs affamés et pressés. Tenez bien, ça va être lourd et un petit peu chaud. Basta così fa 11:50, per favore. Quelle que soit la langue, une seule priorité, la rapidité. Les touristes sont pressés de repartir sur les pistes. Toute l'équipe n'a que très peu de temps pour servir le maximum de couverts. Donc 3 barquettes de frites, vous m'avez dit ? Ouais, et 3 iced tea. Et 3 iced tea. Il ne faut pas perdre de fil parce qu'il y a beaucoup de monde, ça s'enchaîne. Il faut garder le sourire, moi. Ça, c'est pas compliqué. Il faut satisfaire surtout tout le monde. Que tout le monde soit content. Est-ce que vous êtes content ? Très content. Eh ben, c'est super. Merci beaucoup, bonne journée, monsieur. Et même épaulé par ses saisonniers, le patron doit tenir la cadence, surtout aujourd'hui.
C'est une grosse journée parce qu'en fait, c'est les vacances qui a les trois zones en même temps. En plus, le début de vacances, il a vachement neigé. Du coup, les gens sont pas trop sortis. Et là, tout le monde est sur les pistes. Et du coup, c'est une boucherie, voire une poissonnerie. Donc en fait, il faut avoir une super bonne mise en place. Et même quand tu as une super bonne mise en place, tu te fais bouger. Cette année, avec un tel enneigement, la fréquentation affiche des records. Jusqu'à 25 000 skieurs quotidiens sur ce domaine. Du coup, pour les professionnels du secteur, c'est la saison à ne pas rater. Un dynamisme qui profite aux saisonniers. Rien que dans les Alpes du Sud, ils sont 15 000 cette année. À Serre-Chevalier, on vient parfois de très loin chercher un poste souvent payé au SMIC. À demain la cuisine ! Fin de service pour Mathilda. Ce qui ne veut pas dire repos ou loisir. La jeune femme file vers le bas de la station pour son deuxième poste de la journée. La montagne, la neige, le ski. Cet univers était encore totalement inconnu de Mathilda il y a quelques jours. La jeune femme arrive de Guadeloupe. C'est quand même assez incroyable d'aller travailler avec les yeux. Je suis quand même dans les airs, je prends mon petit œuf pour aller travailler. C'est assez extraordinaire. L'autre surprise pour quelqu'un qui n'avait jamais connu le froid, c'est le climat. Ma première grosse surprise, ça a été la température. Moi, je viens de Guadeloupe où c'est très chaud, c'est très humide. Et ici, c'est très sec et très froid. Donc le soir, quand je rentre à la maison et qu'il fait moins 15, c'est dingue. On est quand même à 45 degrés d'écart de ce que je connais au quotidien. Une fois de plus, c'est une nouvelle expérience pour moi et j'adore. Pour marcher dans la neige, là aussi, Mathilda a dû s'adapter. Ah, pour moi, c'est complètement nouveau de marcher dans la neige. C'est assez sportif. C'est vrai que c'est particulier. Moi, j'ai l'habitude de marcher pieds nus et pas avec trois paires de chaussettes et des bottes. Deux boulots par jour, pas le temps de souffler. Le but, rentabiliser au maximum son séjour ici avant de repartir en Guadeloupe. Faire tout ça tous les jours, ça peut paraître dingue. Mais c'est une telle excitation et c'est tellement nouveau que tout ça me donne l'énergie et la force de le faire tous les jours. Ici, Mathilda n'est pas à la caisse, mais en coulisses. Elle assure la préparation des tapas, ingurgitées par 200 vacanciers les grosses soirées. 3 raisins, 4 raisins. D'accord. Dont au moins 36 huîtres, donc il va falloir que tu commences à pré-ouvrir. Très bien. Mais aujourd'hui, une nouveauté de plus pour la Guadeloupéenne. Tu te rappelles comment on fait le... Pour les huîtres ? Oui, ouais, bien sûr. Tu vas arriver ? Grâce à vous, bien sûr. Ça les ouvre. Les huîtres, pour moi, c'est vraiment nouveau parce qu'en Guadeloupe, on n'a vraiment pas l'habitude d'en consommer. Et donc, encore une nouveauté en plus, il fallait que je vienne à la montagne pour apprendre à ouvrir des huîtres. Bonsoir, alors. Le patron des lieux, Ben, est épaulé tout l'hiver par deux saisonniers. Plus que l'expérience, ce trentenaire marche au coup de cœur. Mathilda, pour la T9, t'as 12 huîtres, une planche charcuterie fromage et les potatoes. Ça roule. Elle vient de Guadeloupe, elle découvre la neige, elle a des qualités d'imagination, force de proposition, des recettes et tout. Elle est jeune, motivée, fraîche, pimpante. Donc voilà, mais sinon non, c'est bien. Puis là, elle cumule donc deux travails. C'est une bosseuse et c'est pas facile, mais c'est court. Et à son âge, voilà, sur 4 mois, envoyée à fond, c'est possible. Après, elle pourra tout faire. Si elle enquille ça, derrière, c'est pas mal. Et de source de motivation, la jeune femme n'en manque pas. Pour moi, c'est même un petit challenge aussi. Puis pour ma Guadeloupe, montrer à mes amis que tout est possible et que c'est beau aussi de voyager et de ne pas rester, sur ses acquis. Mathilda le sait, ce n'est que le début de la saison. Est-ce que les huîtres, c'est bien pour vous ? Et elle va devoir faire ses preuves, 7 jours sur 7, sans compter ses heures. Comme des centaines d'autres saisonniers dans la station. Sans eux, impossible de faire tourner cet énorme complexe touristique.
grand beau et neige en pagaille. C'est la journée idéale pour des milliers de skieurs sur les pistes de Serre Chevalier. Mais cette journée est très particulière pour les professionnels de la station. Car ce soir est l'un des événements le plus important de l'année. C'est le réveillon du jour de l'an. Pas de discothèque à Serre Chevalier, alors la fête va parfois se dérouler dans des endroits inattendus. C'est le cas dans ce gigantesque spa. En temps normal, les familles viennent se détendre après le ski dans ces bassins alimentés par une source naturelle d'eau chaude. Mais ce soir, c'est une toute autre ambiance qui est en train de se préparer. La manager des lieux, Élodie, fait le tour des installations. Car elle compte bien offrir à ses clients une Saint-Sylvestre unique. Ça va Thierry, tout se passe bien pour toi l'installation? Impeccable. Ouais. Impeccable. Tu vas pas faire trop froid pour l'instant, j'espère que le matériel tiendra le choc. Thierry, je voulais savoir quel genre de musique on va écouter ce soir. On va avoir la même que l'année dernière. Écoute, c'était plutôt pas mal. Il y avait vraiment une bonne ambiance. Je me souviens qu'ils avaient fait la chenille dans l'eau et tout. D'accord. Donc très très convivial. On va essayer de faire la même chose. Oui. Avec les nouveautés quand même du moment aussi. Mais voilà, ça sera un petit peu pour tout le monde. D'accord, bah super. Voilà. C'est sur Thierry que va reposer la réussite du concept. D'habitude fermé le soir, ce bassin sera tout à l'heure rempli de clients bien décidés à faire la fête. Alors ce soir, c'est une soirée un peu exceptionnelle puisque le concept de l'établissement est complètement changé. Au lieu d'avoir un lieu de détente, ça va être plutôt un lieu où on va faire la fête. On a un DJ qui va animer le bassin, surtout extérieur, une coupe de champagne et un feu d'artifice pour fêter une nouvelle année. Mais pour Thierry, il va falloir composer avec une contrainte inhabituelle. La difficulté, après, je dirais, c'est le froid. Et le paradoxe, c'est que moi, je vais être emmitouflé de la tête aux pieds et de voir les gens qui sont en maillot de bain dans une eau qui est bouillonnante. À 37 degrés. C'est assez paradoxal. Moi, le froid, je vais gérer, c'est sûr. Le matériel, avec en plus la condensation qui va remonter des bains. Et je me souviens, l'année passée, il y avait des gouttelettes qui gelaient instantanément sur les caissons, quoi. Là, c'est pas encore le cas, mais ça voilà. Va pas tarder. L'année passée, j'ai pas eu de soucis. Écoute, on va croiser les doigts pour que ce soit la même chose cette année. Le danger, c'est que les haut-parleurs se mettent en sécurité, quoi. Ils disent stop, moi j'ai trop froid, enfin voilà, j'ai pris de l'humidité, je peux plus travailler comme ça, quoi. À l'entrée, le froid n'a pas découragé les visiteurs. Contre 35 euros par personne, on se presse déjà aux caisses. Pendant que Thierry croise les doigts pour que son matériel tienne le coup. Autre lieu, autre ambiance. Ça ne se voit pas encore, mais dans moins de 2 heures, ce simple bar situé au pied des pistes va se transformer en boîte de nuit pour la nouvelle année. C'est l'occasion ou jamais pour Julien, le patron des lieux, d'attirer une clientèle plus jeune dans cette station réputée familiale. Allez les gars, on en est où là du coup? On va pousser nous. On pousse là? On fait comme maintenant parce que on est restaurant le midi, on a fait l'après-ski avec les crêpes, les familles, les enfants. Et une fois qu'ils sont tous partis pour manger avant le réveillon, et on prépare tout. Et pendant qu'ils mangent, nous on travaille. Mais pour réussir la métamorphose le temps d'une soirée, Julien mise beaucoup sur la sécurité. Ouais, je pense qu'on est bon dehors. Ouais. Et tu vois que tout le monde quand ils arrivent, il vérifie bien les bracelets, que tout le monde a les bracelets. Pas de bracelet, ça rentre pas. Carte d'identité, pas de mineur. Et derrière, on verra à partir de 2 heures s'il y a de la place qui se libère. Ça on fera rentrer, mais sinon c'est bloqué, c'est complet réservation. Ok, carte d'identité, ça marche. Brasser carte d'identité. Ok, ouais. Ça marche. Ça marche. De toute façon, il est 7 heures, il nous reste 1 heure pour installer, après on chauffe et on met l'intérieur. On a grandi parce qu'il y a beaucoup de monde ce soir. Là, il y a plus de 400 personnes, donc on fait une deuxième salle extérieure, on puisse danser, s'amuser, rigoler et faire la fête, profiter. Ce soir, seuls les clients avec réservation pourront passer la porte d'entrée. Mais Karim, tu donnes les ordres. Montez. Et pour éviter tout débordement, Julien fait clôturer toute la terrasse. On ferme parce que c'est tout sur réservation, donc on n'a pas le choix, sinon il y a trop de monde qui passe et on est obligé de refuser du monde tout le temps. Donc pour être tranquille, pour que les gens qui ont réservé ils soient entre eux, on est obligé de fermer les tours. Montez. Là, ce soir, on attend 400 personnes et on en a refusé 200 ou 300 au téléphone. Plus des gens qui sont venus aussi qui ont demandé. Et ce soir, à la porte, on m'a refusé au moins 800. Là, il faut qu'on serre le plus possible, là, comme ça, on n'a pas d'air qui passe. Parce que si on chauffe... L'enjeu pour Julien,
passer le premier de l'an sans incident, malgré la présence de centaines de fêtards dans son établissement. Le calme est revenu sur les pistes. À part le balai des dameuses, le domaine est désert. Pour l'animation, direction le bas de la station, où la fête a déjà commencé dans la piscine d'eau chaude d'Élodie. En montagne, les soirées commencent tôt. À l'heure où certains passent seulement à table, ici c'est déjà l'ambiance. L'objectif, réussir à conserver dans son bassin extérieur le maximum de baigneurs jusqu'aux 12 coups de minuit. Et pour Élodie, c'est un vrai moment à part. Ça change d'habitude hein, comme ambiance. Oui, ah oui, ça change d'habitude comme ambiance. Oui. Les gens ne sont plus dans une ambiance de détente, ils sont dans l'ambiance du jour de l'an. Ça me fait plaisir d'accueillir les clients, toute l'équipe est là et on passe une très bonne soirée ensemble. Oui. Pour que tout le monde reste dans l'eau, l'établissement a une arme secrète. La distribution à chaque baigneur de coupes de champagne. Est-ce que les garçons sont là ? Forcément, alcool aidant, les clients ne mettent pas longtemps à se lâcher. Si dans l'eau tout se passe bien, 2 mètres plus haut, difficile de tenir le coup. J'ai froid. Je l'ai. Plus bas dans la station, la soirée ne fait que commencer. Julien a tout misé sur cet événement pour remplir son bar et le faire connaître aux vacanciers. Quitte à être victime de son succès. Là, ça va être l'heure. À l'entrée, ça bouchonne déjà. Car mauvaise surprise cette année, sans réservation, impossible de rentrer. C'est complet. Alors on a refusé facilement 400-500 personnes. Comment ça se passe? Bah bien, on leur souhaite bonne année quand même, parce qu'on n'a pas le choix, mais voilà, nous c'est nombre limité de places. Comme de nombreuses autres personnes refoulées, il faudra trouver un autre lieu dans la station pour fêter le réveillon. À l'entrée, tolérance zéro pour les vigiles. Sans bracelet, pas de soirée. Il faut gérer la foule, les éventuels incidents liés à l'affluence et l'abus d'alcool. Là, j'ai surtout parce qu'on est obligé, en fait. C'est un moment où il y a tout le staff qui est à fond et ils ne vont pas tout regarder. Donc nous, on gère pour eux autour et on a une super équipe. Et heureusement qu'ils sont là. Quoi. On est obligé de surveiller qu'il n'y ait pas trop de personnes bourrées, qu'il n'y en ait pas qui essaient de piquer les verres des autres ou les bouteilles des autres. Que tout le monde se tienne bien, respecte. Bonne année, meilleurs vœux. Mais Julien le sait, même sans bracelet, les vacanciers sont parfois prêts à tout pour rentrer. Voilà, j'ai juste vérifié qu'il n'y ait personne qui passe par derrière. Il y en a qui essayent, hein. Comme c'est complet, c'est normal. Ils essaient de passer sous les tentes. Hein. Là, c'est pour ça qu'on fait le tour et on surveille partout. À l'intérieur, comme l'avait prévu le patron, tous les espaces sont déjà sérieusement remplis et l'ambiance est au rendez-vous. Surveillée tout en discrétion, l'équipe de sécu de Julien a l'habitude des lieux et l'œil sur le moindre dérapage. Et justement à l'intérieur, plusieurs clients se plaignent de l'attitude d'un jeune homme. Ah ouais, surveillé, oui. L'air de rien, tout le dispositif de Julien se déploie aux quatre coins de la boîte. Et surtout sur la piste, à l'intérieur. Avec en ligne de mire, un fêtard qui dérape. L'homme a été localisé. Il a un peu de mal à tenir debout. Et c'est la vitre du DJ qui en fait les frais. Juste, tu prends le mec, chemise ouverte. Va le chercher, va le chercher avec lui. La sanction ne traîne pas. En quelques secondes, le jeune homme est dehors par moins 10 degrés, dans la neige, et en chemise. Pour lui et pour la personne qui l'accompagnait, la soirée est finie. Même prise en flagrant délit, pas question pour le jeune homme de faire profil bas. Les recalés ne lâchent rien. Moi, je suis ici, quoi. Eh ouais, mais c'est pas grave.
Moi aussi, je suis d'ici. Ils sont sous complets, tu vois pas. Voilà. Après, qu'ils sont là. Les mecs, ils ont fait la fête, ils sont sous, ils boivent trop, ils ont pas de limite. Voilà. Après, à un moment donné, il faut pas qu'ils acquittent tout le monde. Quoi. Il faut qu'ils respectent les gens, tu vois. Donc, ils respectent pas. Cette fois, c'est fini. Pour le duo, le passage à la nouvelle année se fera à la belle étoile. Rien n'a filtré à l'intérieur. Ceux qui ont pu rentrer vont continuer jusqu'au petit matin à fêter le réveillon. Joli coup pour Julien, qui a réussi à capter une grosse partie des jeunes touristes présents dans la station pour cette soirée. Et surtout, à faire connaître son bar. Chez Elodie, pas de problème de sécurité. Les baigneurs n'attendent plus qu'une chose, la nouvelle année. Bonne opération pour l'établissement, qui a accueilli ce soir près de 500 personnes, soit un chiffre d'affaires de 17 500 euros. Pour Thierry, le plus dur est fait, le matériel a tenu le coup et il a réussi à garder tout le monde dans l'eau pendant près de 4 heures. L'année 2017 vit ses dernières secondes. C'est la première journée de l'année, la majorité des vacanciers se remet doucement du réveillon. Mais comme pour l'ensemble des professionnels de la station, pas de jour férié qui tienne. C'est le cas pour les pisteurs secouristes. Ça va Thierry ? Ouais, vous ? C'est pas dimanche aujourd'hui ? Non, dimanche. Non, mais c'est le 1er janvier, alors ouais, c'est pour bon ça. Je n'osais pas vous déranger, je voyais que c'était... Très sérieux. J'ai dit là... Bonne année à tout le monde, en tout cas, bonne année 2018. Là, pour l'instant, c'est assez calme, les gens ils doivent encore dormir. Il est bientôt midi et on n'a pas fait trop de secours, mais bon, ça peut arriver dans l'après-midi. Les vœux rapidement expédiés, les pisteurs se remettent en route sur les pistes. Prévention, assistance et secours aux personnes, leurs tâches sont multiples. Même pour les petites frayeurs, Cédric et Georges sont sur le coup. Bonjour. Vous avez besoin d'aide peut-être, hein, on dirait. Allez, je vais vous aider. Regarde, tu vas me donner le bras. Ouais. Regarde. Allez, 1, 2, 3, voilà. C'est bon ? Bah de rien, on est là pour ça. Merci monsieur. C'est perdu là, le bonnet et tout. Eh, meilleur vœu, hein, bonne année. J'ai fait une petite cascade. C'est la première fois. Bon. Tu t'es pas fait mal ? Non, nickel, merci. Eh ben, bon courage, hein. Merci. Allez, bonne journée. Dans la majeure partie des cas, les chutes sont sans gravité. Mais faute de préparation ou par manque de technique, la sanction peut être beaucoup plus lourde. La pathologie la plus courante dans notre métier, c'est le genou. On a de plus en plus de traumatismes du genou, c'est suite à l'évolution du matériel. Aujourd'hui, avec ces skis paraboliques, avec un petit niveau, les gens se font plaisir. Donc ça, c'est très bien. Mais du coup, on arrive à des vitesses aujourd'hui qui sont quand même assez élevées. On ne s'en rend pas compte. Hein. Imaginez-vous une collision à 50 km/h ou 60 ou 70 en ski. La traumatologie, elle est propre. Elle ressemble énormément à celle qu'on trouve sur le routier. Les sports d'hiver, pour ces pisteurs, ce n'est pas un loisir à prendre à la légère. La preuve, avec l'arrivée de nouvelles pathologies. Les arrêts cardiaques, effectivement, sont en nette augmentation depuis une dizaine d'années. Ça demande quand même une préparation, le ski, une préparation physique. Ben voilà, c'est une semaine de plaisir, souvent entre amis, en famille. On ne s'y prépare pas, on passe du bon temps. C'est vrai que c'est agréable. Le soir, c'est les petits restaurants. Mais c'est une activité physique à part entière. Et on a tendance à oublier qu'en moins de 24 heures, on va prendre 1000 à 2000 mètres d'altitude. Et au niveau du cardiaque, l'altitude, ça joue énormément. À Serre-Chevalier, au pied des pistes, c'est depuis ce petit bureau que sont lancées les alertes. Je vous envoie quelqu'un. Hein. Au revoir. Je vous en prie. Au revoir. Sylvaine est régulatrice. Elle réceptionne des centaines d'appels chaque jour et organise à elle seule toutes les prises en charge des blessés.
Les pisteurs du Bacha pour le central me signalent un trauma crânien dans la piste des Saludes, balise 21. La principale qualité de Sylvain, connaître sur le bout des doigts les 250 km de piste de la station. Mais ça ne suffit pas toujours. Parce que des fois, on peut avoir des alertes très compliquées, ouais. Avec des personnes qui nous disent « je suis dans la forêt, je suis perdue, je sais pas où je suis ». J'ai eu quelques alertes de ce type-là, avec une jeune fille qui était complètement perdue et angoissée. Je lui ai demandé ce qu'elle avait autour, si elle voyait une ligne de télésiège ou de remontée au-dessus d'elle. On a réussi à la localiser après 5-6 minutes de discussion. Les combes. D'accord. Blessée où, vous m'avez dit? Au genou. Je vous envoie les secours. Genoux, épaules, poignets, petits ou gros bobos, les grands classiques sont au rendez-vous de l'après-midi. En une seule saison, pas moins de 1400 interventions sont déclenchées sur les pistes de Serre-Chevalier. Je peux prévenir les ambulances pour l'hôpital de Briançon pour une suspicion fracture du virus. Ok, ça marche, yo. Nous, ça sera pareil, l'ambulance pour l'hôpital de Briançon pour un fracture du virus. Le principal problème de Sylvain, lorsque les interventions s'enchaînent, c'est d'évacuer tout le monde. Laetitia, tu commences à être blindée ou pas? Bah oui. On a 3 ou 4 ambulances à dispo. Suivant les blessés et les délais, c'est compliqué de pouvoir évacuer tout le monde dans les délais. Et des ambulances, il va encore en falloir beaucoup aujourd'hui. Je vous envoie quelqu'un. Car sur les pistes, les appels de détresse s'enchaînent. Comme sur cette piste rouge, où les secouristes ont été appelés pour une chute. La victime est un ado de 14 ans, choqué après une violente sortie de piste. Première préoccupation pour les secouristes dans ce genre d'accident, éliminer tout risque de traumatisme de la colonne vertébrale. T'as pas plus mal, c'est toujours pareil. T'as des fourmis à tes pieds ou tu sens bien tes pieds? Ou de traumatisme crânien. T'as pas mal la tête, hein? Il a enfourché un piqué, un petit accident au niveau du slalom. Et il a un problème, un petit traumatisme au niveau de la cheville dans la chaussure et au niveau d'une dent. Voilà. Il sera évacué sur l'hôpital de Briançon. En sécurité dans la barquette, la victime va être rapidement prise en charge par un médecin en bas de la station. Mais sur les pistes, pas de pause. Cette fois, c'est Cédric qui est dépêché. Ok, merci, on est parti. Alors on nous signale un blessé pour un genou sur balise 27 de la route de Fréjus. Voilà. Donc là, il y a deux collègues qui sont déjà partis. Nouvelle intervention pour Cédric. Dans son sac à dos de plusieurs kilos, le matériel de premier secours nécessaire à la plupart des situations. L'appel du PC a été lancé à l'ensemble des pisteurs. À eux de décider de se rendre sur place en fonction de leur position. Seul impératif, être rapide. Car à ce stade, impossible de connaître la gravité de la blessure. Cédric doit aller le plus vite possible en évitant les skieurs nombreux aujourd'hui sur les pistes. Le blessé est en vue. Plus proche au moment de l'alerte, deux autres pisteurs sont déjà sur place. Cédric va rester en soutien en cas de besoin. L'accident a eu lieu lors d'un banal cours de ski débutant. Une fois de plus, c'est le genou qui a pris. Chaque année, la simple entorse du genou représente un tiers des accidents de ski. Voilà, c'est une personne donc, qui a fait une petite chute et qui a effectivement un problème au genou. Donc là, on va l'évacuer sur le bas de station. Elle va partir consulter un médecin en bas de la station. Dans ce genre de cas, l'urgence n'est pas vitale. Les pisteurs vont immobiliser au maximum la victime dans une barquette pour lui éviter de trop souffrir lors de la descente. Car en l'absence de médecin, interdiction absolue d'administrer le moindre antidouleur. Et pour désamorcer le stress, il reste la bonne humeur. Oh bon, Didier, oui, tu me donneras des nouvelles? Ouais. Bon, je suis bien embêté pour toi. Il va passer chez le médecin. Après, il va aller prendre un petit apéro. Ouais, il y a des jolies infirmières. Surtout à Chantemerle. Ils sont en vacances, ils se font mal. Il n'y a rien de grave, il n'y a rien de vital. Donc il faut rester dans la bonne humeur, exactement. Direction le bas de la station pour les pisteurs et leur barquette chargée du blessé. Au ralenti, au milieu des skieurs. Pas de sirène, ni de gyrophare. C'est aux secouristes d'éviter, d'anticiper les mouvements de tout le monde avec un chargement très difficile à manier. Entorse ou déchirure,
le skieur va devoir encore patienter avant d'en savoir un peu plus sur sa blessure. Son ambulance est commandée également dans 20 minutes au chalet. La mission des pisteurs est bientôt terminée. Encore là, c'est impeccable. Ne reste plus qu'à attendre l'ambulance. Pour cet homme originaire du Tarn, les vacances s'arrêtent là, après cette ultime descente en luge. Vous êtes arrivé quand ? Samedi ? Hier. Bon, en espérant que ça soit pas trop grave. Ça y est, votre ambulance arrive. T'as bien ? Ça va. T'es en forme ? Ça va. C'est un genou ? Oui. Chaque année en France, 140 000 skieurs ou surfeurs sont blessés sur les 7 millions de pratiquants, souvent au premier jour du séjour. L'intervention aura duré moins d'une demi-heure et dans quelques minutes, Cédric et son collègue seront de nouveau en place, en haut des pistes, pour partir sur de nouvelles interventions. Le central de Mika, le secours de Fréjus est terminé. Le skieur est désormais en route pour l'hôpital. Les radios révéleront une rupture du ligament croisé antérieur. Il ne pourra remarcher normalement qu'après de longues semaines de rééducation. Résidence, club de vacances, hôtel ou chalet, le logement est le premier poste de dépense lors d'un séjour à la montagne. Serre Chevalier est capable de proposer aux touristes 50 000 lits, toutes catégories confondues. Face aux poids lourds du secteur, de jeunes entrepreneurs tentent de se faire une place au soleil sur ce marché du tourisme. Sur cette route qui monte dans la station, Thibaut, 28 ans. Cet ancien employé d'une boutique de location de ski s'est reconverti en concierge de luxe. Sa cible, les touristes fortunés de Serre Chevalier. Il loue, pour le compte de riches propriétaires, des chalets de standing, en y ajoutant toutes sortes de services clés en main. De la livraison des petits déjeuners au saut du lit, à une dépose en hélicoptère, allô, en haut des pistes. Ouais, c'est Laurent, t'as pu récupérer la broderie ? Ouais, c'est bon, j'ai pu la récupérer. Je suis passé la récupérer juste avant, je t'avais pas appelé parce que je savais pas encore à quelle heure on allait monter. Bon, mais parfait. Toujours des appels pour arriver à régler les soucis, je dirais régler les impératifs. Et voilà, il faut être réactif, donc avoir le téléphone et rester connecté toute la journée. Thibaut a du mal à déléguer. Il a mis des années à gagner la confiance des propriétaires de chalets estimés à plusieurs millions d'euros. Alors régulièrement, il fait le tour de ses plus beaux produits. Comme ici, à quelques minutes des remontées mécaniques. Dans ce chalet double, aux prestations peu communes. Les locataires sont sur les pistes. Thibaut en profite pour faire une petite vérification de routine. Salut, ça va ? Coucou, ça va ? Bien et toi ? Oui. Bon, ça va, tout se passe bien ? Ouais, ça avance bien. Il nous reste les petits détails et les sols. Après, on aura fini, ça sera bon. Ça va, tout va bien, ils n'ont rien cassé ? Rien de cassé. Tout va bien. Là, moi, je vais faire un petit tour dans le chalet, voir si tout va bien, voir deux, trois points techniques, et puis on se rejoint tout à l'heure. Ok, ça marche. À tout à l'heure. Les propriétaires sont chirurgiens à Lyon. Ils n'utilisent ce chalet que très occasionnellement. Et Thibaut n'est pas peu fier d'avoir rentré ce produit dans son portefeuille. Donc, on est dans un de nos plus beaux produits, le chalet Twin, qui représente en fait deux chalets mitoyens reliés par un tunnel avec espace bien-être. Ce sont deux chalets de 200 mètres carrés qui représentent en tout 400 mètres carrés habitables. Donc on est à 12-13 000 euros la semaine pour le chalet Twin, pour les deux chalets, sur lesquels ensuite on peut rajouter des prestations à domicile qui viendront s'ajouter au prix. On est sur une clientèle qui souhaite avoir les mêmes prestations qu'à l'hôtel, mais dans un chalet privé. Si Thibaut a la confiance de propriétaire de ce type de bien, c'est qu'il a l'œil sur tout. Là, par exemple, on a un oubli. Il reste de la vaisselle dans le lave-vaisselle. Donc il va falloir tout ranger. Bon, Johanna ? Oui. Il y a de la vaisselle encore dans la vaisselle, faudra bien penser à le débarrasser. Ok, voilà. Ça marche. Voilà, je vais aller faire un tour dans l'espace bien-être. Pour passer d'un chalet à l'autre, pas besoin de sortir. Il suffit de passer par la piscine souterraine. Ici, on est dans un endroit assez exclusif parce qu'on est dans un tunnel qui relie les deux chalets qui sont des chalets twin, jumeaux. C'est pas seulement un tunnel, ça aurait pu être un tunnel pour rejoindre ces deux chalets, mais le propriétaire a pensé dans la conception à intégrer une piscine de 15 mètres de long voilà, pour faire monter encore en gamme la prestation. La dernière petite pièce là, qui est vraiment un plus dans le chalet,
C'est donc la salle cinéma qui se transforme également en discothèque. On est sur une grande salle qu'on peut aménager pour pouvoir s'ambiancer toute la semaine avec les amis. Thibaut continue le tour du chalet. Chaque jour, au retour du ski, les locataires le retrouveront comme au premier jour, comme une chambre d'hôtel refaite chaque matin. Le must pour ses clients, ne pas avoir à sortir du chalet. Toutes les prestations doivent venir à eux. C'est le cas du dîner. Ce soir, pas question de cuisiner, ni de se faire livrer des pizzas. C'est un chef à domicile qui débarque pour organiser la soirée. Ça va en forme ? Très bien, ouais. Ouais, ça va ? Thomas est restaurateur le midi dans la vallée. Il développe en parallèle son activité de traiteur et de chef à domicile en soirée. Mais ici, loin de ses fourneaux et de sa brigade, la première contrainte, c'est de prendre ses marques. Vous avez déjà emmené votre matos. Matériel, on va installer tout notre matériel et puis on va commencer à travailler après. On prévoit le maximum de matériel, c'est-à-dire que là, on fait une tarte, par exemple, citron vert, on amène le presse-agrumes. On ne sait pas si on va trouver un presse-agrumes chez le client. Effectivement, on ne sait pas si on va trouver un économe. On emmène évidemment nos couteaux. Voilà, donc tout le matériel, on arrive avec beaucoup de caisses en général, mais c'est pour mieux satisfaire le client et parce qu'on est bien souvent dans l'inconnu. Hein. Thomas et son commis vont cuisiner un menu entièrement composé de produits frais pour une quinzaine de personnes. Tout est fait sur place, comme dans son restaurant. Mais le prix sera un peu plus élevé, 60 euros par convive. Bon, en attendant, je vais commencer à tailler le thon là, pour le tartare. Ça va, tout va bien ? Bah, impeccable, écoute, on a pris nos repères, il n'y a pas de soucis. Vous avez trouvé tout ce que vous voulez. Oui, il y a tout ce qu'il faut. C'est super. Bon, du coup, les convives sont à côté. Ils sont en train de se préparer là, dans le deuxième chalet. Ils seront prêts d'ici 1h30, 2h pour 19h30, ça sera bon ? Ouais, ça sera nickel pour nous, oui. Pas de soucis. On sera prêts. Ouais. Thibaut a de son côté l'occasion de montrer un bel aperçu de son savoir-faire et ses talents de concierge de luxe. Il n'y a pas que le chef cuisinier qui a fait le déplacement jusqu'au chalet. Comment ça va ? Salut, ça va ? Bien et toi ? Ça va. Du coup, ce soir, tu vas avoir deux massages. Ok. Un massage relaxant et un massage sportif. Donc là, ça va tout se passer en bas. On va descendre pour que tu te dises. Ok, super. Merci. Marie est masseuse. Quand Thibaut l'appelle, et pour une centaine d'euros par personne, elle quitte son institut pour se rendre dans les chalets de luxe. À l'étage, si les clients ne feront pas à manger, ils ne mettront pas non plus la table. Après une matinée de ménage, c'est Johanna qui se chargera du service ce soir. Avant de s'éclipser, Thibaut met la dernière patte à l'ambiance. Ses prestataires sont en place pour la soirée de ses clients. Massage dans l'espace bien-être. Dernière touche pour la disposition de la table. Quant à Thomas, il dresse ses desserts. Alors donc là, on est vraiment sur la finalité. Je pense que là, tout est bon. Le dessert est prêt, on a meringué, nos clients peuvent passer à table. Nous, notre mission est là et quasiment accomplie. Hein. Là, on est, on va dire, dans du semi-gastronomique. Hein. C'est-à-dire que là, les clients veulent mieux que ce qu'eux font chez eux. C'est-à-dire qu'ils veulent retrouver une restauration quand même de qualité, mais à la maison. Bonsoir. Bonsoir à tous. Je vais vous installer où vous souhaitez. Comme à l'hôtel, cette famille en vacances, accompagnée de quelques amis, va passer la soirée servie à table, de l'entrée au dessert. Bonsoir messieurs, dames. Donc alors, pour le menu ce soir, vous avez en amuse-bouche une sphère de lait de coco curry et gambas. Ensuite, en entrée, vous avez un tartare de thon à l'huile de sésame et au sésame. Ensuite, vous avez des côtes de veau avec une sauce mori et des mini-légumes et une polenta crémeuse. Et en dessert, une tartelette citron vert basilic meringuée. Je vous souhaite un très bon appétit. Merci. C'est sur ce genre de prestations que la jeune société de Thibaut peut gagner de l'argent. Grâce à tout ce qui pourra faire gonfler la note à la fin du séjour. Pour ses clients aisés, pas de préoccupations. Après une soirée sans contrainte, ils partiront de nouveau skier demain. Mais pour l'heure, sur les pistes, il y a du boulot. Serge Chevalier, au pied des pistes. Nous sommes en plein milieu de la nuit. Il est 2h du matin. Si les vacanciers sont au chaud sous la couette, une poignée d'hommes bravent les températures négatives aux abords des remontées mécaniques. Agostino est le chef d'équipe des conducteurs de dameuses de nuit. Oh, Gilou ! Ça ? Hop, hop. Eh ben allez, c'est parti.
Ils vont jusqu'au petit matin quadriller la montagne pour que les pistes soient comme neuves à l'ouverture du domaine. Pour l'heure, Agostino et ses hommes profitent du calme. Tous les matins, c'est notre trajet sans embouteillage, sans personne, on est les seuls, quoi. On fait une cabine et voilà, quoi. C'est un luxe un peu en plus d'être... Ah ouais, bah c'est, on est privilégié, hein, c'est sûr. Là, on arrive là-haut, il n'y a personne, c'est idéal. Enfin, pour ceux qui n'aiment pas voir du monde, quoi. Piste verte comme noire, cette nuit, ces cinq conducteurs vont sillonner chacun une trentaine d'hectares, quelles que soient les conditions. Allez, c'est parti, on y va pour 7 heures de damage. Damer une piste, c'est tout un art pour ces conducteurs. Il faut broyer la glace, tasser les bosses, remonter la poudreuse déplacée par les skieurs du jour. Et avec 400 chevaux au bout du joystick, Agostino n'est pas peu fier de son joujou. C'est des machines assez sensibles, quoi. C'est tiré à petits exemplaires, puis si on n'en prend pas soin, ça vieillit mal, quoi. Une machine comme ça, ça vaut dans les 300 000 euros, 300, 350 000 euros quand même. Et pour manœuvrer ces 12 tonnes de technologie, la formation est à l'ancienne. Ici, pas besoin de permis. Nous, on apprend sur le tas. On a un chauffeur qui forme les jeunes rentrés. Après, ça se fait pas en une saison, quoi. Un bon chauffeur, si le mec il est un peu dégourdi, il faut au minimum 2 voire 3 saisons quand même, quoi. Une pente comme ça, un chauffeur débutant, il arrivera à descendre sans problème. Mais des pentes un peu plus raides ou un peu plus techniques, c'est vachement plus compliqué, quoi. La machine, il faut la tenir, quoi. Conducteur de bulldozer l'été dans la vallée, Agostino n'est toujours pas blasé de retrouver ses tournées de nuit l'hiver. Là, en plus, là, sur le matin, là, on profite vraiment des levées, levées de jour, levées de soleil, c'est vraiment un régal, quoi. C'est sûr que bon, c'est pas évident de travailler de nuit, mais on s'en lasse pas, quoi. Après plusieurs heures par moins 15 degrés, à déplacer des tonnes de neige, c'est l'heure de la pause pour Agostino et ses hommes. Non, il y a le pied des vallons, il y a la trois croix, on les fait ou pas? Ah ouais, faut qu'on les fasse. Okay. Ouais, mais t'excites pas, hein, attends. Parmi ces conducteurs, il y en a un qui pilote une machine très particulière. C'est Claude. Claude Yves, c'est bon, tu fais la Rouge des Chaillons et Rocher de l'Enfer. Ouais. Toff, il a fait le raccord, donc c'est bon. Et puis après, on se retrouvera jamais sur Fréjus. On voit un peu comment que ça se passe. Allez, feu. Quand les pentes sont raides, difficiles ou très enneigées, c'est l'homme de la situation, car il conduit une dameuse avec un treuil. Alors ça, c'est un treuil, ça nous aide à aider la machine à remonter de la neige. Parce qu'une standard, on en remonte, mais pas assez. Donc... On s'accroche sur un ancrage et après on tire jusqu'à 4,5 tonnes. Plusieurs fois par nuit, Claude va s'accrocher en haut des pistes les plus raides. Alors là, je vais aller m'accrocher à l'ancrage. Claude est à son poste, en haut d'une piste rouge de 800 mètres. Il va passer 2 heures à la descendre et à la remonter jusqu'à ce que toute la neige déplacée par les skieurs de la veille soit bien lissée. Avec une attention toute particulière portée à son câble. En travaillant avec un treuil, on est plus attentif à tout. Les randonneurs, ils montent le soir après la fermeture des pistes. Et eux, ils ne voient pas trop le danger d'un treuil. Donc, si nous, on travaille et qu'après le câble, il faut être comme ça, il faut être, ça peut le tuer. Hein. Même si la tâche paraît répétitive, Claude sait qu'au bout de sa nuit de travail, il aura le droit à un moment très privilégié. Il est 7h30, c'est presque la fin de journée pour Claude. Là, je viens toujours en fin de poste, parce que j'attends juste le soleil qui sort. Là. Ouais, oh, c'est joli, franchement c'est beau. Claude profite des quelques minutes qu'il reste avant que cette piste et les autres soient envahies de vacanciers. Des skieurs, des surfeurs, des randonneurs, bien loin d'imaginer les nuits entières de damage nécessaires à l'entretien du domaine skiable. Une nouvelle journée débute sur les pistes. Comme tous les matins, les pisteurs secouristes font le tour des installations. Ils vérifient que tout est en place pour la sécurité des skieurs. Les pisteurs du Val
Ouais, on t'écoute. On nous annonce une avalanche dans les Nézés avec deux personnes impliquées, dont une ensevelie. Je sais pas si les personnes étaient équipées de DVA ou 5 airbags. Ouais, ok, on s'en rend sur place. Quand ce genre d'alerte est lancé, Rodolphe part très vite. Il sait qu'il sera en première ligne. Ce pisteur secouriste est aussi maître chien. Il y en a deux sur l'ensemble du domaine. C'est une véritable course contre la montre qui s'engage. Sous la neige, les chances de survie sont très faibles. Elles s'amenuisent à mesure que les minutes passent. Qui c'est qui est parti, Jojo, au-dessus ? Il y a un gun avec le TVA et Laurent avec le Rico. Ouais, ok. Bon, je récupère le chien, on est parti. Matériel de recherche et chien récupéré, le binôme peut partir rejoindre un premier groupe de secouristes. Ce berger s'appelle Icar. Il a été éduqué sur le principe du jeu. Rodolphe va sans cesse le stimuler pour qu'il soit toujours en éveil. Rodolphe et son chien doivent rejoindre au plus vite le lieu de l'avalanche. Mais à contresens des skieurs, impossible pour le pilote de la motoneige d'aller trop vite. Le risque de collision est trop important. Le central de Johan, la première victime, n'est pas blessée. Il y a une personne ensevelie, on ne sait pas si elle a un DVA sur elle. Je commence la recherche. Sur place, deux secouristes sont déjà au travail. L'un active son détecteur de victimes d'avalanche, un DVA. Il ne sera efficace que si la personne ensevelie est équipée d'un émetteur. Le second secouriste utilise un dispositif RECO. Il peut localiser les petits capteurs cousus sur le tissu de certains vêtements de ski dernier cri. Sans succès, dernier recours, Rodolphe et Icar. Là encore, Icar est stimulé comme s'il jouait avec son maître. Là, il est en pleine recherche, là. Là, il essaie de détecter ce foyer d'odeur, là. Il a été formé pendant plusieurs années pour repérer et trouver sous la neige une odeur humaine. Ça y est, là. Là, il est sur le foyer d'odeur. Là, il est en train de localiser, là. Ouais, j'ai un contact à la sonde. Il est là. On est sur le bonhomme. Allez, on est sur. Chope-le. Allez, j'ai mon chope-le. Chope-le, bébé. Voilà, chope-le. Voilà, ouais. Allez, viens. On va vite le sortir, ce bonhomme. Allez, bébé, chope-le. Tantis, mon kiki. Il a trouvé le bonhomme. Aujourd'hui, ce n'était qu'une simulation d'avalanche. Un exercice impératif pour les secouristes, mais aussi pour le chien. Il faut faire ça régulièrement, et bien pour toujours garder cette complicité avec le chien, toujours dans un aspect très ludique. Le chien, il se fait plaisir à gratter la neige, tout en trouvant un foyer odorant. Et donc c'est ça qui est important, c'est de retrouver des personnes sous la neige, et puis avec beaucoup de plaisir. La vitesse est importante parce qu'on dit qu'on a à peu près 93% de chances de survie dans une avalanche si on est sorti dans les 18 premières minutes. Et 34 minutes d'ensevelissement, c'est 35% de chances de survie. Donc vous voyez que ça diminue énormément. Donc vraiment, le temps, c'est une question de survie. Mais pour les pisteurs, avant les bons secours, il y a surtout une bonne prévention. Il y a certaines règles à observer. On ne part pas un petit peu à l'aveuglette faire du hors-piste. Quand on fait du hors-piste, ça se prépare. Il y a des choses bien à faire en amont, bien prendre connaissance de beaucoup de choses au niveau de tout ce qui est de la prévention concernant le bulletin du risque d'avalanche et de bien regarder les itinéraires qu'on va utiliser et toujours sortir équipé et en groupe. Fin du jeu pour Icar, qui va retrouver la niche pour attendre un nouvel exercice ou une véritable intervention. Dans les Hautes-Alpes, les avalanches ont causé la mort de 6 personnes la saison dernière, exclusivement hors piste. Retour avec Mathilda, notre saisonnière fraîchement débarquée de Guadeloupe. Depuis le début de la saison, elle enchaîne chaque jour deux boulots dans des restaurants ou des bars. Pas trop le temps de souffler pour la jeune femme qui travaille 7 jours sur 7. Et au bout de quelques semaines, le mal du pays commence à la gagner. Décroche, décroche, décroche. Heureusement, elle a trouvé le moyen de rester en contact avec ses amis. Allô, Doudou. Comment ça va? Ça va et toi?
Mais tu me manques aussi, Zakamon qui est moins holo. Oh, ma doudou. Bonjour. T'as pas trop froid? Si, il fait un petit peu froid, mais c'est cool. Regarde un petit peu, il y a la neige derrière, il y a les gens qui skient. C'est trop belle, c'est magnifique. Merci. Ça va, toi? Ici, nous aussi, il fait bien beau. Bien mais oui, encore moins ça. Il y a un gros soleil, là. Waouh. Ça me manque, hein. Oh, je vois les bananiers et tout, là. Ça me manque. Tu vas pas pleurer. Yes, I'm Messi, envie pleurer. C'est génial. Merci, merci Coco, merci. Bon, je te fais de gros bisous, doudou. Je te laisse. À bientôt. Moi aussi. Bisous, oui, comment que moi. Bye bye. Je suis toute émue parce que mes amis me manquent. Ça me fait bizarre de voir la mer et le soleil. Et elle en débardeur alors que moi je suis ici. Mais bon, je suis contente quand même. Mais j'ai hâte de rentrer. Des amis, des palmiers, la mer. Cette petite parenthèse a boosté Mathilda. Ça me donne beaucoup de courage d'avoir la connexion avec mes amis parce que eux me donnent la force et me motivent tous à me dire que c'est très bien ce que je fais. Et justement, même si je suis toute seule ici, je le suis pas vraiment parce qu'ils sont tous avec moi dans mon cœur. Voilà. Et du courage, Mathilda en aura besoin demain matin pour sa première leçon de ski. C'est le grand jour pour Mathilda. Mon Dieu, j'espère que ça va aller. Première leçon de ski. Pas question de risquer une blessure et de perdre pour la saison sa cuisinière. Alors Ben, son boss, s'improvise ce matin, moniteur de ski. Ça risque d'être laborieux. Première étape, l'équipement. C'est Mathilda, il faut l'équiper pour... Bonjour. Santé. Et Mathilda, quel niveau est là? Ah, absolument aucun. Oscar. Petite boîte UPN. Ah, bah c'est super. Jamais monté sur des skis. Et ben voilà, en plus c'est une bonne journée et puis il y a un bon skieur. Donc ça irait impeccable. On va essayer. Vous venez là pour vous... Très bien. Vous faites quelle pointure? Du 38. Chaussures, ski, Mathilda va tout découvrir. Donc là, vous mettez debout, une toute petite flexion. Et en flexion, il ne faut pas le gros orteil qui touche au bout. Ah non, non, pas du tout. Quand il se redresse, il faut qu'il touche ou pas loin. Ouais, ouais, parfait. Et ben voilà, on est presque prêt. Allez, on va passer au ski. Et vous mesurez combien? Pas tout à fait 1m60. On sent dans le trop bas. L'équipement pour la journée, c'est entre 25 et 30 euros suivant les modèles. Alors pour ce prix, Mathilda ne veut passer à côté d'aucun détail technique. Est-ce qu'il n'y a pas de ski droit et ski gauche? C'est... Non, y a pas de les ski deux droit sont identiques. D'accord. On va enregistrer ça. Face à tous ces réglages et ce matériel, Mathilda commence à prendre très au sérieux cette petite sortie. Merci beaucoup, Thierry. Et puis à bientôt. À bientôt. Bonsoir avec le sourire. Merci, oui, j'espère. Merci. Désormais équipée, la Guadeloupéenne ne peut plus reculer. Dernière consigne de Ben, le moniteur d'un jour, à son employé. Oh, c'est facile avec les nouveaux skis, en plus ils sont courts, les skis paraboliques. T'as qu'à te laisser glisser, les pieds écartés, distance des épaules. D'accord. Et puis t'as plus qu'à appuyer en fait sur un côté ou sur l'autre, tu verras, ça tourne tout seul. D'accord. D'accord. Allez. Allez, chausse. J'adorerais pouvoir aller sur les pistes tous les matins quand je prends mes œufs et que je vois tout le monde descendre à fond le ballon. J'ai très envie de le faire aussi, mais c'est pas gagné. Hop. Ah oui, mais après tu glisses. Ok. Première appréhension, le téléski. C'est super simple, le tire-fesse. Oui. Tu prends la perche, compte temps, tu la glisses vite entre tes jambes. Ne regarde pas comme ça. Et tu te laisses aller tout droit et tu regardes devant toi. C'est parti. Et regarde devant. Super. Et quand tu arrives là-haut, tu lâches la perche et tu te dégages sur la droite. Première étape franchie avec succès. Mathilda est désormais en haut de la piste et elle est toujours debout sur ses skis. Oh, j'arrive pas à m'arrêter. Bah toi, t'as le réflexe du chasse-neige. C'est très bien. Non, 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 non. Panique pas, reste en chasse-neige. Tant que t'es stable et tout, pourquoi tu paniques? Ça va? Ça va. Ben voilà, t'as pas besoin de tenir pas. C'est reste en chasse-neige, c'est très bien. Comme sensation. Tu vas doucement. Chasse-neige, tranquille. On va faire une première descente comme ça, en faisant des virages, tu verras, ça va passer tout seul. Allez. On y va. Allez.
Dès que tu sens que tu prends un peu de vitesse, tu fais le chassage. Allez, je te suis, hein. Ah ouais, là t'as les skis parallèles, on va aller par là-bas. Cette fois, Mathilda y est. Première descente, fini le planté du bâton. Ben a joué la sécurité pour son élève avec la technique du bon vieux chasse-neige. Oh non, je pars là, je pars. Mathilda aimerait bien prendre du plaisir, mais pas évident de se concentrer sur la technique. Non. C'est pas facile. Fais hein. Des plus grands virages. Regarde, viens vers moi là. Ah, mais c'est pas facile hein. Voilà. Au bout de quelques minutes, même si le style n'est pas très académique, Mathilda fait ses premiers virages. Ma première descente, bien laborieuse, oui. Pourquoi ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Parce que sensation très bizarre quand ça prend la vitesse, et pour tourner, c'est pas évident, les skis qui se croisent, et tout ça mélangé, voilà, pas évident. Ah, la deuxième, ça ira mieux. Bah, y a un bon début, elle est à peine tombée, elle a compris le chasse-neige, elle a compris comment s'arrêter. Tu veux en refaire une ? Allez, on en refait une petite. Autant en profiter, si Mathilda avait dû s'offrir un cours particulier d'une heure, c'était 60 euros de plus. Ben ah je peux pas tourner. Ben, tu vois ? Une expérience de plus, une nouvelle découverte pour Mathilda, qui vit son premier hiver à la montagne. Comme des milliers d'autres saisonniers, sa saison en montagne va durer quasiment 4 mois. J'ai envie de continuer. Sur l'ensemble des massifs français, 250 stations de ski se disputent le marché très lucratif des skieurs français et étrangers. Pour se démarquer, il faut rivaliser l'imagination. À l'image des villes balnéaires l'été, les stations de ski sont désormais obligées d'animer en permanence les bas de piste. Ce matin, Serge Chevalier est justement en train de mijoter un petit événement pour la soirée. Chris fait partie du service animation de la station. Et pour la première fois de la saison, il anime le Demo Ski Show, produit par l'Office du Tourisme. Un spectacle son et lumière qui met en scène les moniteurs de ski du domaine. Tout le matériel qui est là-dedans, c'est tout le matériel de son et lumière. Et donc tout ça, il y en a une partie... Excuse-moi. Oui, c'est Cédric. Mais l'installation commence avec une mauvaise nouvelle. Ah ben là, on a plus de 4 tonnes de matériel, hein, le son et la lumière. Donc tu imagines, c'est entre les enceintes et les boîtes, on doit avoir une quarantaine de boîtes, dont certaines qui font plus de 150 kilos. Voilà quoi. Ben écoute, on va se débrouiller. Bon, je compte sur toi. Chris pensait pouvoir bénéficier d'une dameuse avec remorque pour acheminer tout le matériel sur le site de son événement. Malheureusement, il va falloir faire sans. Merci Cédric, merci. Bonne journée, bye. Et normalement, on doit avoir une dameuse avec une énorme luge derrière, ce qui nous permet de faire juste 2 chariotages de matériel et un 3e chariotage avec la pyrotechnie. Et malheureusement, on se retrouve à faire les allers-retours avec un pisteur, le scooter et une luge derrière. Mais sur la luge, comme on peut le voir, on ne peut pas y mettre grand-chose, ce qu'on appelle les boîtes. Voilà, donc à mon avis, on en a bien pour plus de 20 voyages, rien que pour le matériel déjà. Au lieu de ? Au lieu de 2 voyages avec la dameuse. La solution du jour, c'est de mettre tout le monde à contribution. Les pisteurs et leurs motoneiges vont assurer toute la matinée les rotations entre le bas de la station et la piste. Serge Chevalier mise gros sur cette soirée. Il faut que l'événement entièrement gratuit marque les esprits. Toutes les stations font des descentes au flambeau, c'est très joli, les gens adorent, ils nous les réclament tout le temps, mais c'est très traditionnel. Et il y a 21 ans de ça, on a été, sinon la première, mais en tout cas une des premières stations, à proposer un show, et c'est toujours très très visuel. Donc je pense que ce soir, ceux qui vont venir vont être surpris. Bon Anto, je te laisse, à tout à l'heure. Ciao, merci, sois fort. Dernier détail à régler avant l'arrivée du public. Je vais te donner le conducteur. Donc une fois que j'ai dit « bon démo ski show », tu envoies la musique d'ouverture. La musique. Là aussi, Chris a tout choisi. Maintenant, il s'agit d'attirer les foules. Mesdames, messieurs, bonjour. La station de Serge Vallée-Vallée est heureuse de vous accueillir en cette fin de journée dans le programme animation. Le rendez-vous, il est ici, sur la piste du Mickey, place de la Ravée. Le premier démo ski show du programme animation de la plus belle station de ski des Alpes du Sud. Ce sera ici, sur la piste du Mickey. Dans la station, Julien veut lui aussi attirer les foules dans son bar. Il a bien l'intention de surfer sur la réussite de son premier de l'an. Hey, hey. Ça va?
Ouais. Bon, t'es chaud pour la presqu'île tout à l'heure? Quoi? Hein? Après ski tout à l'heure. Après ski? À partir de 16h, ben, on met DJ, on met le feu sur la terrasse et on fait la fête. Ah, génial. Ça va t'éclater. Allez, à tout à l'heure. Allez. L'after ski, c'est l'animation incontournable pour tout bar de station à la mode qui se respecte. Sur certains domaines, ce concept attire des centaines de personnes tous les jours. L'idée est simple, faire la fête dès la fermeture des pistes, en combinaison et chaussures de ski, et passer à l'apéro à l'heure du goûter. Mais pas facile de transformer son bar en boîte de nuit à Serre-Chevalier. La station a une image très familiale qui lui colle à la peau. C'est le premier after-ski de la saison. La température extérieure est de 5 degrés. Et pour l'instant, il n'y a pas foule. Alors pour attirer le monde, pas de secret, il faut de l'ambiance. L'après-ski, c'est quand on file skier, on passe une bonne journée sur les pistes, et on a envie de se décontracter un petit peu, donc on met de la musique, on boit un verre entre amis et on profite, on s'amuse en combi, en chaussures de ski. On rentre la nuit tombée avec les skis sur l'épaule et on a profité une bonne journée, quoi. Il faut faire oublier les crêpes familiales pour ressembler au spot incontournable de l'après-ski, version 2018. Donc plie la terrasse une fois que les gens finissent de manger, parce que c'est quand même un restaurant de midi. Donc une fois que les gens finissent de manger, on plie la terrasse, on installe, on met les manches debout, on met un bar extérieur, on installe la sono, et après c'est parti. Bonne nouvelle pour Julien, un petit groupe d'étudiants vient de poser ses skis sur sa terrasse. Et visiblement, il pourrait bien mettre l'ambiance, et attirer du coup plus de monde, plus de jeunes. Ce n'est pas cet après-midi avec ce petit groupe que Julien va faire exploser son chiffre d'affaires. Mais le concept prend doucement. C'est le principal pour le manager. Ouais, ça, c'est cool. J'ai un peu de temps chauffé, j'ai un peu froid dehors. Ils ont maintenant, c'est bon, ils sont partis. Et... parti pour l'ambiance, c'est toute la nuit après. Les familles le midi, les jeunes l'après-midi. Un bar comme celui-ci n'a pas le choix, se diversifier et ne rater aucune tendance. Ici, c'est le seul endroit où on fait ça à Serre-Cheux. L'intérêt, c'est que les gens s'amusent et qu'il y a une clientèle de notre génération qui viennent à Serre-Cheux, qui viennent s'amuser, faire la fête, profiter du domaine. On a un super domaine, on a le soleil, on a la neige et la fête. À l'autre bout de la station, Chris n'a pas de problème de fréquentation. Allez, ça, c'est le bon sens d'ouverture. Et on va y aller, on va essayer de faire plaisir aux gens et de valoriser notre belle station. Plusieurs centaines de vacanciers sont au rendez-vous. Reste pour Chris à être à la hauteur. C'est sa première grosse animation hebdomadaire de la saison et la station mise beaucoup sur ce rendez-vous. Serre-Chevalier, bonsoir ! Il faut que les touristes reviennent les années suivantes. On va faire comme si on ne s'y est pas vu, hein ? Est-ce que ça va ? Il faut faire un maximum de bruit. Parce que moi, ici, Jean-Pierre, je vous entends. Et je peux vous dire que là-haut, au sommet de la piste d'élan, ils vous entendent aussi. Sauf que eux sont dans le noir. Ils s'envoient sur le kicker, face au projecteur, et ils ne savent pas vraiment, vraiment où ils vont poser les spatules. Et donc, il faut leur donner du courage. On fait le test. Allez, vous n'êtes pas doués et vous regardez la musique. Et c'est parti pour une demi-heure de show, son et lumière, imaginé et orchestré par Chris avec les moniteurs de la station. L'enjeu est double. Créer l'animation une fois les pistes fermées, tout en essayant de présenter tout le panel d'activités et de techniques à disposition des touristes. Pour les 200 moniteurs de l'école de ski de Serre-Chevalier, c'est une véritable parenthèse au milieu d'une semaine remplie de cours. Ce soir, tout le monde est servi. Il y en a pour tous les goûts, du traditionnel au plus décalé. C'est quoi comme drop? Japan. Et toi? Starfish. Et toi? Je sais pas. Ce que tu veux. Sinon tu mets un corset pour finir. Ça va être à vous les gars. Mais Chris le sait, ce qui fait toujours son petit effet, ce sont les figures sur le tremplin, le Big Air. Chris reste tendu, tout doit parfaitement s'enchaîner. Aidé par les machines, on va faire le tour. Le moment du final, tout s'est passé sans encombre pour Chris qui va devoir répéter l'opération toutes les semaines jusqu'à la fin de la saison.
C'est vrai que tout au long de la journée, on a pu le voir, on a pu le vivre ensemble. On a eu des petits couacs, il y a eu des petits problèmes, mais systématiquement, tout le monde s'investit pour, comme je le dis toujours, essayer à Serre Chevalier. On n'a pas de problème, on trouve la solution. Voilà, donc on a fini par trouver des solutions pour arriver à réaliser ce show dans les meilleures conditions possibles. Mais en tout cas, donc avec toutes les équipes qu'il y a derrière, les moniteurs, la mobilisation qu'il y a, c'est vrai qu'on est toujours super fiers de pouvoir proposer ça au public et espérer qu'il l'apprécie à sa juste valeur. Des animations, il faut en créer tout au long de la saison pour fidéliser la clientèle. Mais parfois, il y a des coups de chance. Les événements arrivent tout seuls, comme ce soir avec le retour dans la station de l'Enfant du Pays. Pierre Voltier, fraîchement médaillé d'or en snowboard cross au JO de Pyeongchang. Il a grandi à Serre Chevalier. Chris, l'animateur, ne pouvait pas rater l'événement. La presse locale et nationale ont fait le déplacement pour couvrir l'événement. Un joli coup de pub pour la station. Allez, c'est parti. Quand tu veux, non ? Ouais. Vas-y, fais une photo. C'est sûr. Un petit selfie. Une pierre. Félicitations, en tout cas. Super fier. Super fier parce qu'on croise un monsieur qui est extraordinaire, mais j'aime bien employer ce terme-là, dans le sens où c'est quelqu'un qui est resté très simple, qui est assez très humain, et c'est quelqu'un qu'on côtoie assez facilement, assez régulièrement. Après la presse, passage obligé par la séance de dédicace organisée par l'Office du Tourisme. Les vacanciers retrouvent en chair et en os celui qu'ils ont suivi à la télé quelques jours plus tôt lors de sa descente en Corée. Vous m'avez fait pleurer, Pierre. C'est vrai, bravo Pierre, ça me fait plaisir. Louane. Merci beaucoup. Voilà, bonne soirée. Merci à vous. Mais ce n'est pas tout. La station a demandé une petite faveur aux champions. Ce soir, c'est la grande fête pour Pierre Voltier et le retour au pays après cette nouvelle médaille olympique aux Jeux Olympiques de Pyeongchang. On vous attend nombreux et nombreuses pour bien sûr fêter le champion de passage éclair. Pierre Voltier a accepté d'offrir un petit cadeau au public de la station. Une descente de piste sous les projecteurs. Et Chris s'est trouvé un poste d'observation privilégié. C'est lui qui éclaire le champion pendant sa descente. C'est ça qui est extraordinaire, c'est qu'il y a des jours où on est avec des familles, avec des enfants, et on essaie de créer des animations pour leur faire plaisir. Et puis on se retrouve un soir avec un double médaillé d'or aux Jeux Olympiques. Donc c'est quelque chose d'exceptionnel et d'énorme. Et puis ce qui est énorme, c'est la ferveur que ça déclenche dans le public. Moi j'ai un rêve, quand je serai grand, je veux être Pierre Voltier. Ce soir encore, Sercheux a fait le plein sur les pistes, comme dans la station. Remontée mécanique, hébergement, restauration, loisirs, l'économie générée par le ski chaque année à Sercheux-Vallier représente un business de près de 180 millions d'euros. Un chiffre qui sera sûrement dépassé cette année grâce à un enneigement record.